Les Bleus ont peut-être déjà fait le plus dur avec cette victoire de Félix Lebrun face à Darko Yorg au Mondial. Première opposition entre les deux garçons sur le circuit interne. On avait parlé lors des matchs de poule de la jeunesse de l'équipe de France. 21 ans de moyenne pour Darko Jorgic, 26 pour Deniko Jul qu'on verra juste après, 23 pour Peter Ribar ici à la table. Josh Godets qui est le quatrième joueur de cette équipe. Et un début de match un petit peu à l'image de ce qu'a fait Darko Jorgic. Alexis Lebrun en mode diesel. That. 3, 1. Remise pourtant de Félix Lebrun. Quatre points de retard. Aussi quelques marques à prendre par rapport au fait à ce niveau-là, on est capable de s'adapter très vite. Jamais anodin de jouer un joueur qui prend la raquette avec le Slovène. Et c'est réglé. Alexis Lebrun, il est rentré dans son match. Il fait la différence avec ce revers-là. Il a remis de l'effet. C'est bombé au coup. 5 partout. Service pour Alexis Lebrun. Il a tout compris. Il a tenté de flip de coup droit. Directement dans la raquette. Hop là. De Félix Lebrun qui ne s'est pas contenté d'Alexis Lebrun. 5. Ça va. Allez. Ça va. Oh. Ouais, ça va. Ça va. Deux fautes. Alexis Lebrun a deux points d'avance. Et il vient s'offrir une... sur ses contres de revers, à mettre la balle sur la table. Encore une fois, bien fait. Et il l'emporte 11 points à 7. C'est ce coup-là qui a fait la faillite de Peter Ribar dans cette première manche. Cette claque un petit peu de revers, notamment au niveau de son coude. Il lui a dit c'est pas grave, tu la remets sur la table, tu recules un petit peu d'un mètre à 1m50. Et ensuite on peut jouer top sur top ou défendre. Pas forcément prendre des risques à vouloir jouer un coup. Alexis Lebrun mène une manche 0. One, love. Petit service presque à la Darko Jorgi. Two,
Et voilà ce que lui avait demandé Nathanaël Molin, de reculer un tout petit peu, de se mettre en défense, de lancer pourquoi pas du top sur top, ce qu'il a fait. Heureusement il a craqué, pourtant il aurait pu faire la différence avec cette défense en top coup droit. Ah, dommage, ça reste dans la bande du filet, 4 partout. Le service essuie-glace, parfait. Pas toujours le garder pour 9 partout à la 5ème. Ah, c'était bien servi. Et il est de nouveau devant, le Slovène. Probable. Là, il n'était pas du tout assez bas sur les jambes, Peter Rybar, pour pouvoir jouer cette balle. Parfait, ça, la ligne droite. Surprendre Peter Rybar parce que c'est son côté revers. Ouais, faut s'arrêter. Dans le dos d'Alexis Lebrun. La balle de la table d'à côté. C'était un cadeau. C'est. Et maintenant 10, 3 balles de 7. Il est en contrôle, Alexis Lebrun. Pour bloquer avec son revers. Bon, la deuxième sera la bonne. Et on revoit ce petit service, le premier de la deuxième manche, qui a bien pris le coin de la table. Quel point remporté par Alexis Lebrun. C'est un délice. Un petit bonbon que ce top spin coup droit dans l'angle en bout de course. Délicieux. On va repris par Peter Rybar parce que ça commence déjà à défiler dans cette troisième manche. Cette balle a touché et encore une fois. Soit bien, c'est dans le ventre et c'est perdu. C'est vraiment une zone à privilégier, plus que les angles, plus que les côtés. On néglige trop cette zone et le milieu de table. Oh, il en a de la double réussite pour Félix Lebrun. Le filet d'abord. Et ensuite, la ligne, parce que Peter Rybar a vu un instant cette balle sortir, elle est dedans, 4-1 pour Alexis Lebrun. Non. La grande diagonale.
va aller la chercher. En plus, il va nous offrir une belle défense. Cette balle est toujours sur la table. Oh, dommage. Il s'en veut presque un peu. Alexis Lebrun qui était allé chercher une balle sous la table ici pour défendre, ensuite qui s'est installé dans cette filière de défense. Finalement, il a craqué. La roulette tentée. Le nombre de coups, vous avez vu en bas de l'écran. 9-3 pour le français. Il se fait un peu plaisir en défense. Ah, il va aller la chercher. Même. Ce serait quand même bien bête de se blesser là-dessus. Peter Ribar l'a emmené jusque dans les balustres. Ah, il faut pas se taper le genou dans ces panneaux qui sont extrêmement durs. La tuile. Mais tout va bien pour Alexis Lebrun. Mettre l'équipe de France devant avec 2 points d'avance dans cette partie. La première est la bonne. Alexis Lebrun confirme parfaitement la victoire de son frère il y a quelques minutes face à Darko Jorgic. La France mène 2-0 face à la Slovénie dans ce 8. Film. Analyze. Win. That's the game. Your results will clearly improve when you start filming your game and analyzing it from outside. Now analysis takes much less time, thanks to Better Play's artificial intelligence. Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.